Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 29e épisode de notre Let's Play Station Ears sur le serveur communautaire. Et aujourd'hui, on va rajouter des gros lights pour nos plantes. Allez, c'est parti! Encore plus au fond, il y a les centrifugeuses. Ah! Ah oui, il y a quelques centrifugeuses. Ah, le dégazage. Ok. Quelques centrifugeuses, ouais. Et je crois que du coup, c'est un peu overkill par rapport au... avec le NOS, non? Les centrifugeuses. Il y en avait que une centrifugeuse suffisait pour 8 deep miners. Donc là... Tiens, on avait combien? 32, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Bah oui, ça avait quand même de quoi encaisser 160 deep miners. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais, je sais bien. Je charrie, juste que du coup, ça fait énormément de centrifugeuses. C'est pas grave, hein. Qui peut le plus, peut le moins. C'est bien, il y a du progrès. Ah là, en ce moment, ça tourne au classique. Ah mais ça y est, il a peaufiné son double PID, XK, il va pouvoir te passer ça. Non, c'est pas ici, c'est pas là. Ça va tourner très fort. Yep. Alors mes plantes. Est-ce qu'elle poupousse? Oh zut, ça c'est moche. Oh ça c'est fâcheux. Tant pis. Barely growing. Is in darkness. Ok. Le fort que je mette des gros lights. Je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix. Un housing et un IC. Et ensuite, combien j'ai de cuivre? Un petit peu.
Ah, Steve, comment on va faire? De là. Où est-ce que je pourrais mettre cette IC? Allez, bonne nuit, Greg Peck. Il me faut un sensor aussi. Qu'est-ce que j'ai mis là derrière? En plus, je peux pas ouvrir le plafond. Ah, il y a la vente. Est-ce que je peux mettre un... Ah, où je me fasse un... Ouais, faut que je fasse un power... Ah zut, un transfo. Et bien sûr, j'ai plus de cuivre pour faire un transfo. C'est mon dernier cuivre. Et salut Demon Dracos, comment ça va? Bon, en tout cas, on est à 25 degrés. Est-ce que ça a bien coupé en bas? J'avais même pas fait gaffe à la température. Quasi. Quasi, parce qu'on doit être juste un peu au-dessus. 25,23.
25, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25, et on est en dessous. Ah oui, c'est... un tout petit peu moins. C'est 24,85 du coup. Impeccable. Non seulement on a rattrapé, et c'est largement bon, donc c'est nickel. Salut Sabdam. Alors comme évidemment j'ai répondu à rien, oui ça va bien, j'espère que vous allez bien. Ça je peux pas te mettre là où ça m'intéresserait. Je ne me souviens plus où je t'ai fait passer. Par là. Après, il faudrait que je te mette par là. D'abord. D'abord ça, ensuite oh. Ah. Ça. Ça. Euh.
Du coup, le sensor en question. Le sensor en question, il passera par ici. Quoi? Berly, Berly, vous allez grandir maintenant. Ok, donc. Sensor. Daylight sensor. Tu dis. De regarder ton vertical. Non, ça ne va pas aller dans ce sens-là. Ça ne va pas aller dans ce sens-là. Ça va pas aller, il faut que je mette ailleurs. Y avait quoi dans les nouveaux sensors? C'était des... Proximity Occupancy. C'est pour la distance par rapport au sensor. Parce que le truc, c'est qu'il va passer 180. Une fois passé 180... va diminuer. D'accord.
Bonne inauguration, Exca, fais pas tout péter. Il faudrait que je me mette sur un mur. Genre ici. Sur un mur qui ait la bonne orientation. Je ne regarde pas le vertical mais l'horizontal. Comment je fais sur sur Vulcain, je regarde l'horizontale. Vertical, là, il va atteindre 180. Là, le vertical. Quand l'horizontal va atteindre 90, le vertical, voilà, le vertical est à 90. Et là, le vertical continue de monter à 91. Alors que là, le vertical baisse de nouveau. Donc c'est bien ça. Il me le faut ici. C'est pas une darkness. Là, t'es une darkness. Ok. Ok, je vais m'en sortir. Toi.
Comme ça. Toi. Voilà. Quoi, c'est le Daylight Sensor. Tu vas dire, alias Sensor des zéros, define gros light, je sais pas combien, main, yield, j main. On va faire load R0 sensor vertical. Et la journée dure 2 heures, 1 heure. Non, combien de temps dure la journée? Combien de temps dure la journée? Et salut Kaela. Je sais même pas, j'ai jamais fait gaffe. On va faire vertical est à 97. Seulement. Eh ben. Branch less than. Faut faire 7 greater than 90 7 R1 quand R0 est plus grand que 90 7 less than R1 quand R0 est R2 quand R0 est inférieur à 100. On va faire un end R1 R2, donc quand on est plus grand que 90 et plus petit que 100, on va faire un branch relative not equal 0 de R1 de quelques lignes, je sais pas combien, ces lignes ça va être set batch grow light on 0 sleep. Je veux faire une pause de 7 minutes 30, donc set batch grow light on 1. Je fais 1, 2, 3. Branch relatif 3. Grow light. Grow light. Tu es là. Grow light. Tu as ça. Paf.
Et bonsoir Licorns Power. Est-ce que tu es obligé de coder pour jouer à ce jeu? Non, mais ça fait une partie intéressante du gameplay. Puis c'est pas du code difficile. Surtout. C'est pas une obligation. Maintenant, pour automatiser des trucs, c'est plus économe que de mettre des puces logiques pour automatiser les choses. Mais c'est pas obligatoire. Alors, quel est... Cartridge Plant Analyzer. Non, tablette, c'est pas ici. C'est là. Tablette, tablette. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé, merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!